Siamo a Locarno con Olivier Sabat e Emmanuel Manc per il film Argument e iniziamo con le domande. Emmanuel, votre film è su un sujet difficile. Comment est née cette idée? Eh bien, nous avions rencontré une jeune fille il y a plusieurs années qui avait des difficultés car elle pensait être surveillée et observée chez elle et elle avait très peur de présence qu'elle sentait autour d'elle. Et nous avons commencé à travailler avec elle, mais nous avons rapidement élargi à d'autres personnes puisque nous ne voulions pas rester focalisés sur une personne. Et au fur et à mesure des années, nous avons accumulé et développé des expériences, des rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, on a fini par rencontrer un certain nombre de personnes qui ont fait les protagonistes du film. Olivier, quelles ont été les difficultés à tourner le film? Elles ont été nombreuses, mais je pense que avant tout, la principale difficulté que j'ai à chaque film, c'est de devoir réapprendre ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de savoir stable et le cinéma est quelque chose à redéfinir avec chaque personne avec qui on travaille. C'est-à-dire que quelque part, c'est un non-lieu. Tout le monde sait ce qu'est le. Tout le monde peut parler de cinéma, dire un peu une idée sur des films. Mais quand on commence un film, tant en termes de cinéaste qu'en termes de personnes qui participent à un film, on doit redéfinir ensemble qu'est-ce qu'on entend par faire un film. C'est la principale difficulté. Emmanuel, écrivain, producteur, assistant réalisateur, que vous voulez faire dans le futur? En fait, cela fait très longtemps que je travaille avec Olivier et ce que j'aime vraiment le mieux, c'est le montage. C'est vraiment une tâche que je trouve extrêmement passionnante. Et si je peux le développer, évidemment, avec d'autres films, j'en serais très heureuse. Et Olivier, quand avez-vous pensé ce projet en réalisateur? Jamais. Ça, en fait, pour la petite histoire, j'ai eu la possibilité entre 95 et 98 de faire un premier projet au Brésil avec une caméra qui était dans le cadre de la Villa Medici, hors les murs. Et j'ai fait un film assez improbable avec des narcotrafiquants. Et quand je suis revenu en France, beaucoup de personnes m'ont dit, écoute, je crois que tu es cinéaste. Donc depuis, j'essaye de faire au mieux et d'être digne de ce qualificatif qu'on m'a donné, qui est d'être un cinéaste. Merci.